mon licence en pharmacie propriétaire. Donc, je suis aussi chargé d'enseignement à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Ça me fait super plaisir d'être ici avec vous. J'ai eu la chance de voir le contenu avant vous. C'est vraiment super bon. Fait que j'ai bien hâte d'entendre notre conférencier. Donc, comme on l'a dit, donc, je vais être votre modérateur pour ce soir. Mais avant de présenter notre conférencier, je sais que vous êtes tous bien habitués, mais juste pour s'en assurer pour ceux qui sont peut-être nouveaux aux présentations du SSVQ. Donc, dans le fond, tout au long de la présentation, vous pouvez à votre droite indiquer vos questions. Je vais les voir, mais je vais les prendre à la fin. Donc, le conférencier va les prendre à la fin. Je vais les présenter à la fin. Mais tout au long, à chaque fois que vous allez avoir des questions, évidemment, n'hésitez pas et écrivez-le dans le chat. Donc, et oui, notre conférencier de ce soir, Dr. Patrice Chrétien, donc interniste à l'hôpital Honoré-Mercier, donc évidemment vice-président de la SSVQ, donc quelqu'un de bien connu dans le groupe. Donc, beaucoup de champs d'intérêt, évidemment, médecine interne, évidemment, tout ce qui s'appelle maladies thromboemboliques cardiovasculaires, les facteurs de risque, comme on va voir ce soir, mais évidemment aussi les maladies inflammatoires, auto-immunes, etc. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Dr. Chrétien. Merci beaucoup, Simon. Alors, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Aujourd'hui, la deuxième partie, je fais suite à Dr. Roussin, c'est tout un mandat. On va parler aujourd'hui des traitements pharmacologiques, des facteurs de risque pour la maladie athérosclérotique et des embûches associées au traitement. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, les objectifs, on l'a répété plusieurs fois à date, tout un mandat encore une fois, parler de trois maladies aussi compliquées dans une heure. On va essayer de le faire de manière le plus intéressant possible, le plus complet possible. Je vais essayer de vous offrir une approche pratique, un espèce de coffre à outils pour comprendre la prise en charge de ces pathologies-là qu'on peut faire au niveau pharmacologique surtout. Et j'ai aussi essayé de monter le PowerPoint pour qu'il soit un peu une référence pour vous par la suite en clinique. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la première des trois maladies. On parle ici du diabète. Les deux autres seront l'hypertension et la dyslipidémie. Alors, c'est quoi l'impact du diabète chez les patients avec maladie athérosclérotique? Ici, quelques statistiques intéressantes tirées de plusieurs études. Là, on parle de EUCLID, UKPDS, l'étude ACCORD, l'étude INTERHEART. Important de reconnaître qu'environ 10 % des infarctus du myocarde peuvent être directement attribuables au diabète. Le diabète double le risque d'AVC. Le diabète augmente la mortalité totale en plus d'augmenter celle reliée aux maladies cardiovasculaires, et ce, même si on le traite adéquatement. On parle même chez les diabétiques de doubler la mortalité cardiovasculaire versus des patients similaires qui ne seraient pas diabétiques. Ensuite, une dernière statistique. Ici, je vous préviens d'avance. Malheureusement, je vais utiliser un anglicisme durant toute la présentation. C'est le MACE. Vous êtes sûrement au courant et vous êtes confortable avec cet acronyme. On parle ici de Major Adverse Cardiovascular Event, événement cardiovasculaire majeur, un terme qui est employé souvent dans les études en cardiovasculaire et qui, de manière standard, là, inclut les AVC, les infarctus et la mortalité cardiovasculaire. Donc, dernière statistique intéressante, chaque 1 % d'hémoglobine glyquée au-dessus de la cible chez les diabétiques augmente les MACE, donc les événements cardiovasculaires majeurs, d'environ 15 %. Qu'est-ce qu'il en est du diabète chez les patients avec maladie artérielle périphérique? Le diabète est le deuxième facteur de risque pour la maladie artérielle périphérique. On pensera aussi comme facteur de risque majeur au tabac. Les patients diabétiques ont particulièrement une maladie vasculaire qui est distale, microvasculaire, difficile à traiter, particulièrement quand on pense à la revasculariser. Un patient avec maladie artérielle périphérique diabétique comparé au non-diabétique a un risque d'amputation environ 2 à 10 fois augmenté et leur risque d'avoir besoin de revascularisation, soit chirurgicale ou endovasculaire, augmente d'au moins 25 % dans les études. Comment est-ce qu'on traite le diabète chez les patients avec maladie athérosclérotique? Bien sûr, on parle ici de maladies cardiaques, de maladies vasculaires périphériques, carotides, membres inférieurs. Comment est-ce qu'on les traite? Eh bien, en première ligne, on les traite comme on ferait avec un patient qui n'a pas d'antécédent cardiovasculaire. On va commencer avec des habitudes de vie. On va commencer avec de la metformine à dose maximale tolérée. Et si ceci s'avérait être
inefficaces ou pas assez efficaces. On va passer ensuite aux molécules qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire. On parle ici des inhibiteurs du SGLT2 et des inhibiteurs du GLP1. En troisième ligne, si une combinaison de metformine, inhibiteur du GLP1, inhibiteur du SGLT2 s'avérait inefficace, eh bien, on pourrait passer à une troisième ligne. Ici, je vous montre les options qui sont les plus utilisées. On parle d'inhibiteurs du DPP4 qui ne sont pas combinés aux inhibiteurs GLP1 parce qu'ils travaillent sur le même axe métabolique. C'était des molécules qui étaient plutôt populaires dans le passé, mais qui le sont moins, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment d'avantage comparé aux inhibiteurs du GLP1. Ils ont une innocuité cardiovasculaire dans la majorité des cas, mais ils n'ont pas vraiment d'avantage cardiovasculaire et leur seul avantage comparé aux autres est le fait qu'ils coûtent, comparé aux inhibiteurs GLP1, et leur plus faible coût et donc souvent leur plus facile capacité de remboursement, entre autres si on n'a pas d'assurance privée. Les sulfonylurées, les méglitinides qui sont des sécrétagogues et l'insuline sont des choix quand on en a besoin, mais il est important de noter que ces molécules-là causent un gain de poids qui est néfaste en maladie cardiovasculaire et peuvent causer des hypoglycémies qui sont particulièrement redoutables chez les patients avec problématiques cardiovasculaires majeures. Alors, maintenant, on va passer à quelques minutes sur chaque molécule. La metformine, pour commencer, la bonne vieille metformine. Pourquoi est-ce qu'on donne de la metformine? Issue des données de UKPDS, il a été étudié de tenter la metformine en première intention en comparaison avec une sulfonylurée en première intention ou de l'insuline en première intention chez les diabétiques. Dans cette étude, il a été démontré que la metformine avait un effet protecteur sur la mortalité et les événements cardiovasculaires chez les patients en diabète. On parle d'un number needed to treat, un NNT, excusez-moi, c'est un autre anglicisme ici, donc un nombre de patients à traiter pour éviter un événement de mortalité ou cardiovasculaire de 16, ce qui n'est pas si mal, sur un suivi relativement court de 4 ans. Donc, la metformine semble avoir un effet protecteur cardiovasculaire. La metformine aussi ne s'accompagne pas d'un gain de poids ni d'hypoglycémie, donc des avantages importants de cette molécule comparé aux autres vieilles molécules. Et il est important aussi de savoir que dans les études d'innocuité cardiovasculaire des molécules plus modernes, et dans les études aussi, pas juste d'innocuité cardiovasculaire, souvent les nouvelles molécules sont ajoutées à un traitement standard de metformine à dose maximale tolérée. Donc, pour conclure que l'ajout d'une molécule moderne s'accompagne d'un effet cardiovasculaire bénéfique, souvent dans les études, il y avait de la metformine, donc on devrait la donner en même temps pour pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Les effets secondaires de la metformine, vous êtes probablement assez au courant. Vous devez rencontrer ce genre de problématiques-là de manière régulière. On parle d'intolérance gastro-intestinale, nausées, diarrhées, qui peuvent être amoindries ou être prévenues par une initiation de la molécule à des doses moindres et un titrage progressif de la molécule vers la dose maximale tolérée. Si les symptômes se présentaient, on peut tenter un arrêt temporaire, une réduction de dose jusqu'à un retour à une dose qui avait été tolérée antérieurement, et on peut ensuite remonter la molécule ou la réintroduire pour essayer de trouver une dose qui était tolérable pour le patient. Des fois aussi, l'utilisation d'une forme longue action de metformine peut parfois être utilisée pour amoindrir les effets gastro-intestinaux de la molécule. Les inhibiteurs, la metformine peut s'accompagner de déficit en vitamine B12 par diminution de l'absorption gastro-intestinale et parfois aussi d'hypomagnésémie secondaire aux diarrhées. Ce genre de problématique-là, qui est d'habitude pas très majeure, peut se corriger avec l'utilisation de suppléments PROS et rarement mène à avoir besoin d'arrêter la molécule. La molécule peut aussi s'accompagner d'un risque d'acidose lactique, surtout quand les patients sont très malades, quand ils ont un stress physiologique, quand ils subissent une chirurgie majeure aussi. Et pour éviter ce genre de problématique-là, il est recommandé de diminuer la dose de la metformine, comme vous le savez sûrement, à des fonctions rénales en dessous de 60-45 cc minutes et de l'arrêter complètement, dépendamment à qui on demande, entre 15 et 30 cc minutes. De plus, il est important de savoir que chez les diabétiques et aussi souvent chez les patients avec maladies athérosclérotiques qui prennent beaucoup de médications, qu'il y a une liste de médicaments qui devraient leur être fournis pour les informer des molécules qui devraient être cessées lors de maladies aiguës ou lors de chirurgie.
J'utilise cette opportunité pour vous présenter justement un exemple de ce genre de document. Celui-ci, c'est celui qui est disponible sur le site de Diabète Canada et qui parle des médicaments qui devraient être considérés lorsqu'on est malade ou qu'on va être opéré pour être suspendu le temps de récupérer. On parle ici de l'acronyme en français SIDMAI, qui est intéressant, mais moins facile à se rappeler que l'acronyme anglais SADMAN, qui inclut les sulfonylurées, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, des diurétiques, de la metformine, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens et des inhibiteurs du SGLT2. Alors maintenant, parlons des inhibiteurs du SGLT2 et des inhibiteurs GLP-1. Quelques données ici en SGLT2, les données sur la prévention cardiovasculaire de chaque molécule. Quand on parle de la canagliflozine ou de l'invocana, on parle de l'étude CANVAS. Quand on parle de l'empagliflozine ou de du Jardiance, on parle de EMPA-REG Outcomes. Et pour la dapagliflozine ou le Forxiga, on parle de l'étude DECLARE-TIMI-58. Toutes ces études semblent avoir démontré un avantage cardiovasculaire de degrés différents, mais c'est sûr qu'on ne peut pas comparer ces études-là entre elles. Là, le choix des patients et les devis n'étaient pas les mêmes et le taux de base d'événements cardiovasculaires dans les populations n'était pas les mêmes, mais tous semblent démontrer une protection cardiovasculaire, du moins chez les patients à haut risque. Et ce qui est important et intéressant de remarquer aussi, c'est que l'empagliflozine particulièrement semblait diminuer la mortalité totale lors de l'utilisation en diabète dans les études d'inocuité cardiovasculaire. Pour ce qui est des inhibiteurs GLP-1, ici, je vous présente les trois qui sont aisément disponibles et qui ont démontré un avantage au niveau des événements cardiovasculaires majeurs, chacun dans leur étude respective. Pour ce qui est du liraglutide ou du Victoza, dans l'étude LEADER, du sémaglutide sous-cutané ou de l'Ozempic, dans l'étude SUSTAIN, ou du dulaglutide ou le Trulicity, dans l'étude REWIND. Encore une fois, les trois molécules démontraient une diminution des événements cardiovasculaires majeurs sur des suivis qui étaient relativement courts, là, entre 2 et 5 ans. Et il est encore une fois important de regarder les petits détails de chaque étude pour remarquer que le Victoza était celui qui démontrait de manière la plus convaincante une diminution de la mortalité totale. Et il est intéressant aussi de savoir que le sémaglutide, la diminution des événements cardiovasculaires majeurs dans ces études était surtout due à une diminution des AVC de manière préférentielle, une diminution de la mortalité cardiovasculaire ou des infarctus, entre autres. Je vous ai présenté trois inhibiteurs GLP-1 qui semblent avoir un effet protecteur en maladie cardiovasculaire. Il y en a d'autres qui existent, qui ont un effet neutre sur les événements cardiovasculaires, donc une innocuité qui est prouvée, mais des molécules qui ne semblent pas être protectrices. Donc ici, vu qu'on parle des patients en prévention secondaire avec maladie athérosclérotique avérée, peut-être des choix qui ne sont pas aussi intéressants que celles présentées précédemment. Les molécules mentionnées ici sont le lixizénatide, l'exénatide, ainsi que le sémaglutide PEROS, à ne pas confondre avec le sémaglutide sous-cutané. Une diapo ici un petit peu plus chargée que les autres, je m'en excuse, mais je l'ai montée pour essayer qu'elle devienne disponible pour être une référence quand on essaie de voir, après la metformine à dose maximale tolérée et une approche d'habitude de vie, quelle pourrait être la molécule à considérer pour traiter le diabète chez nos patients avec maladies athérosclérotiques et diabète concomitant. Deux choses qu'il faut étudier dans ce genre de questions, c'est quels sont les avantages additionnels au contrôle du diabète de chacune de ces molécules et quels sont les inconvénients associés à chacune. Donc, pour ce qui est de l'inhibiteur SGLT2, l'inhibiteur SGLT2 est une molécule avec un effet pléiotropique significatif. Plusieurs études qui ont démontré un avantage avec cette molécule dans plusieurs pathologies. On parle ainsi d'insuffisance cardiaque, diminution des événements adverses reliés à l'insuffisance cardiaque lors de l'utilisation des inhibiteurs du SGLT2, d'insuffisance rénale avec une diminution, plutôt une augmentation de la survie rénale à long terme avec cette molécule ou chez les patients avec protéinurie. Donc, peut-être une molécule à considérer quand les patients présentent ce genre de pathologie. Pour ce qui est de l'inhibiteur GLP-1, d'autres avantages majeurs. L'inhibiteur GLP-1 fait perdre beaucoup plus de poids que les inhibiteurs du SGLT2. Donc, peut-être une molécule à considérer lorsqu'on a devant nous un patient obèse. L'inhibiteur GLP-1 a un effet hypoglycémiant qui est un peu plus important que l'inhibiteur SGLT2.
Donc, peut-être une molécule à considérer lorsque notre hémoglobine glycée ou notre glycémie est un peu plus loin de la cible, quitte à rajouter l'inhibiteur du SGLT2 par la suite. Encore une fois, l'inhibiteur du GLP1 semble aussi avoir une protection au niveau de la détérioration de la fonction hépatique et de l'apparition de la cirrhose chez les patients avec stéatohépatite non alcoolique, probablement de par son effet métabolique, mais aussi son effet sur la perte de poids. Donc, chez un patient présentant cette problématique, peut-être à considérer aussi. J'ai ici mis une phrase qui dit « considérer ces insuffisances rénales avancées ». Oui, les inhibiteurs du SGLT2 sont protecteurs au niveau rénal, même à des fonctions rénales diminuées, très diminuées, mais leur effet hypoglycémiant est peut-être moins important que l'inhibiteur du GLP1 lorsque le patient présente une insuffisance rénale, et même que les inhibiteurs du SGLT2, dans leur monographie, sont non recommandés ou relativement contre-indiqués là, pour le traitement du diabète lorsque la fonction rénale est trop basse, probablement pour cette raison-là, là, si on utilise les données plus récentes. Donc, si la fonction rénale est plus basse et qu'on veut traiter un diabète avec une glycémie élevée, peut-être considérer le GLP-1 en premier. Maintenant, pour ce qui est des effets secondaires, lesquels sont présents plus souvent avec les inhibiteurs du SGLT2 et qui devraient venir moduler peut-être l'utilisation de cette molécule chez les patients? On parle d'infections urogénitales, bactériennes ou fongiques. On parle des patients à risque d'acidocétose euglycémique ou d'acidocétose point. Donc, les patients qui sont à risque de cette complication devraient probablement éviter les inhibiteurs du SGLT2. Et des exemples de patients qui seraient à risque de ce problème seraient les diabétiques de type 1 chez qui ces molécules-là ne sont pas utilisées de manière usuelle. À ne pas utiliser non plus chez les patients avec insuffisance pancréatique, des patients qui consommeraient drogue, alcool à l'excès ou des patients qui sont sous diète cétogène, par exemple. Dans l'étude initiale d'inocuité cardiovasculaire de la canagliflozine et uniquement de la canagliflozine en SGLT2, il semblait y avoir une augmentation des risques d'ostéoporose et d'amputation distale. Donc, à garder en tête si les patients sont à risque de ce genre de problématique ou qu'ils ont déjà subi les conséquences de ce genre de problématique. Par contre, à noter que, encore une fois, ces problématiques-là n'étaient que présentes dans les études avec la canagliflozine et dans une seule étude et non avec les études subséquentes comme Credence. Les inhibiteurs du SGLT2 ont un effet diurétique et surtout potentialisateur des autres diurétiques. Donc, à considérer ou à utiliser avec prudence chez les patients à risque d'hypovolémie ou qui ont des problèmes d'orthostatisme. Pour ce qui est des inhibiteurs du GLP-1, quels sont les effets secondaires potentiellement néfastes à garder en tête lorsqu'on prescrit la molécule? On parle d'une augmentation des incidences de pancréatite, donc à éviter chez les patients avec pancréatite autant idiopathique que biliaire. On parle d'une augmentation des problèmes de gastroparésie ou des problèmes de lithiase biliaire en tant que tel. Dans certaines études aussi, les inhibiteurs du GLP-1 semblaient démontrer une augmentation des cancers médullaires de la thyroïde, donc à garder en tête si le patient présente des antécédents familiaux ou personnels de néoplasie endocrinienne, donc une suspicion entre autres, par exemple, de néoplasie endocrine multiple, donc syndrome de MEN, M-E-N. Aussi important de reconnaître que dans les études avec la semaglutide, il y avait une augmentation de la rétinopathie diabétique ou je dirais même de la progression de la rétinopathie diabétique. Par contre, probablement que ceci était dû à une correction rapide de la glycémie de par l'effet très efficace au niveau hypoglycémiant de l'inhibiteur du GLP-1, mais j'y reviendrai. Finalement, une autre chose à garder en tête quand on parle de choix entre ces deux molécules, c'est que les inhibiteurs du SGLT2 sont plus facilement remboursables. L'empagliflozine a un code là, en maladie vasculaire, la dapagliflozine a un code en maladie en problème d'insuffisance cardiaque, donc facilement remboursable avec les patients sous régime de la RAMQ, tandis que les inhibiteurs du GLP-1 demandent un formulaire là, de médicaments d'exception chez les patients qui ont un échec à la metformine ou à la sulfonylurée. Donc, un petit peu plus difficile à utiliser dans des conditions qui sont peut-être un petit peu plus restreintes, mais quand même, beaucoup de patients peuvent en bénéficier. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'en bénéficient pas parce que personne ne pense leur prescrire. Alors, maintenant, quelques détails additionnels sur les effets secondaires majeurs négatifs les plus fréquents des molécules mentionnées plus tôt et quelques stratégies pour essayer d'amoindrir l'effet de ces molécules. Pour ce qui est des inhibiteurs SGLT2, on parlait d'infection des voies urinaires, une augmentation de 25% des infections bactériennes dans les études environ, et d'infection à levure qui augmente de 2 à 4 fois dans les études, ce qui est quand même beaucoup.
Ce qu'on fait en clinique, en tout cas de mon expérience, on a tendance à prescrire des antifongiques au besoin aux patients, je parle d'antifongiques topiques, là, aux patients à qui on débute des inhibiteurs d'SGLT2, surtout des gens qui auraient déjà eu des infections fongiques. Et on essaie d'éviter cette molécule chez les patients à risque d'infection bactérienne récidivante au niveau urinaire ou qui sont à risque d'infection sévère. Je pense entre autres aux patients avec pyélonéphrite à répétition, sonde à demeure, anomalie de l'arbre urinaire, etc. Intéressant de savoir que dans les études, malgré l'augmentation des infections, entre autres à levure, les patients, même ceux qui subissaient ce genre de complications, avaient tendance à vouloir continuer la molécule à cause de l'effet hypoglycémiante importante et de l'effet sur le poids qui était que les patients appréciaient particulièrement. Les inhibiteurs SGLT2 ont un effet potentialisateur sur les diurétiques et sur les diurétiques eux-mêmes. Donc, il est intéressant et même primordial d'évaluer la fonction rénale avant de les débuter, aussi de par leur monographie. On recommande aussi de recontrôler la fonction rénale et les électrolytes rapidement par la suite et de suivre la fonction rénale par la suite. On dit qu'on peut tolérer là, une augmentation légère de la créatinine, donc une diminution légère de la filtration glomérulaire au début de ces molécules-là, particulièrement dans le contexte où, dans les études de protection rénale, cette molécule semblait augmenter la survie rénale à long terme, donc un des effets pléiotropiques positifs de la molécule, des inhibiteurs du SGLT2. Si le patient prend des diurétiques, particulièrement les diurétiques de l'anse, peut-être pas s'ils sont hypervolémiques, mais s'ils sont au moins euvolémiques, on peut considérer diminuer légèrement de 25 à 50 % la dose des diurétiques au début de la molécule pour éviter l'hypovolémie, quitte à réajuster le tir par la suite si davantage de diurétiques étaient nécessaires. Et finalement, prudence lorsqu'on débute un inhibiteur du SGLT2 en combinaison avec d'autres médications à risque d'insuffisance rénale aiguë, je pense entre autres particulièrement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'autres effets secondaires, j'ai parlé d'acidocétose glycémique chez les inhibiteurs du SGLT2. Je vous ai expliqué et mentionné quelques genres de patients chez qui cette molécule devrait être utilisée prudemment. Ce genre de pathologie est une pathologie rare qui arrive chez les patients qui sont très malades ou qui sont exposés à un stress physiologique important tel une chirurgie, au point où on recommande actuellement là, en médecine interne de cesser la molécule au moins 3 jours avant une chirurgie et de la recommencer seulement quand le patient est stable et s'alimente bien. Si on suspecte cette pathologie-là, il est important de demander un avis spécialisé puisque c'est une maladie, une complication qui est dure à diagnostiquer et à traiter. Finalement, pour ce qui est du risque augmenté de fracture avec les inhibiteurs SGLT2, même si dans les études, ceci s'appliquait à un nombre restreint de molécules, on recommande tout de même aux gens qui débutent des inhibiteurs SGLT2 d'avoir un dépistage d'ostéoporose si celui-ci est indiqué selon les recommandations d'Ostéoporose Canada, ce qui est souvent le cas chez les patients avec un âge un peu plus avancé avec diabète, et de traiter cette ostéoporose si elle était détectée. Pour ce qui est des inhibiteurs du GLP-1, un profil d'inocuité qui est encore meilleur que celui des inhibiteurs du SGLT2, on parle surtout d'intolérance gastro-intestinale. Les gens qui commencent cette molécule-là rapportent souvent des nausées, des vomissements, même des diarrhées, qui sont très communs initialement, jusque chez un patient sur deux. Mais ceux-ci ont tendance à s'améliorer avec le temps, particulièrement si la molécule est commencée à de basses doses, titrée lentement. Encore une fois, dans les études, les patients qui présentaient ce genre de complications avaient tendance à quand même conserver la molécule parce qu'ils étaient particulièrement satisfaits de l'effet hypoglycémiant et sur la perte de poids. Donc, si les patients présentent des intolérances gastro-intestinales, ce n'est pas une indication d'arrêter la molécule nécessairement. Un petit dernier mot sur l'exacerbation de la rétinopathie diabétique, je vous en ai déjà parlé. Il est recommandé, avant de commencer un inhibiteur, donc, du GLP-1, que les patients aient leur examen de la rétine qui est de toute façon recommandé en diabète de type 2 au diagnostic. Et s'il y avait une rétinopathie diabétique, d'y aller lentement avec les inhibiteurs du GLP-1 ou d'attendre que celle-ci soit traitée si elle est traitable de manière ophtalmologique là, au niveau médicamenteux ou au niveau chirurgical avant de commencer la molécule. Alors, ça fait le tour rapidement là, de la section sur le diabète. Comme on l'a mentionné précédemment, on prendra les questions à la fin si vous en avez. J'ai aucun doute que vous en aurez. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la présentation, celle sur l'hypertension artérielle dans le contexte de maladies athérosclérotiques, donc chez les patients en prévention secondaire. Encore une fois, j'aime bien commencer avec quelques statistiques un peu percutantes. Ici, tirées de plusieurs études, entre autres l'étude Euclide, ABCD, l'étude HOPE.
Il est important de reconnaître que l'hypertension est le plus prévalent des facteurs de risque modifiables pour les maladies cardiovasculaires. Selon les populations et les études, on parle de 20 à 30 de la population, ce qui est énorme. Pour chaque tranche de 20 mm de mercure de pression systolique ou de 10 mm de mercure de pression diastolique au-dessus de la cible, on parle d'une mortalité et, par AVC et maladie cardiaque qui est doublée. 20 % des infarctus seraient attribuables directement à l'hypertension, ce qui est plus que le diabète. Et le traitement de l'hypertension diminue les événements cardiovasculaires chez les patients avec maladie athérosclérotique, donc en prévention secondaire, incluant le Saint Graal de la mortalité de toute cause qu'on essaie toujours d'atteindre dans nos études. En préparant cette présentation, j'ai trouvé une étude que j'ai trouvé intéressante de vous présenter aujourd'hui, une étude qui a été publiée dans le Lancet en 2014, qui avait cherché à réétudier les données dans les études antérieures de traitements antihypertenseurs comparés à des traitements placebo, donc les plus vieilles études, pour voir si les patients qui étaient à bas risque cardiovasculaire bénéficiaient, oui ou non, d'un traitement de l'hypertension à des seuils standard et quel était l'impact du traitement de cette hypertension-là chez les patients à bas risque. Ils ont démontré qu'il est intéressant pour prévenir les événements cardiovasculaires de traiter les patients, même à bas risque cardiovasculaire, qui présentent une hypertension. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que les événements cardiovasculaires majeurs étaient grandement affectés, particulièrement chez les patients à haut risque cardiovasculaire. On voit ici donc une réduction des événements cardiovasculaires majeurs de plus du double lorsqu'on traite agressivement l'hypertension chez les patients à haut risque versus à bas risque. Mais il demeure important de les traiter même s'ils sont à bas risque, si on est à l'intérieur des cibles de Hypertension Canada, entre autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour traiter l'hypertension chez les patients avec maladie athérosclérotique? J'y viens dans les prochaines diapos. La première ligne, on en a déjà parlé à la présentation antérieure de manière beaucoup plus éloquente que je vais le faire aujourd'hui, mais pour toujours se rappeler l'importance de la chose, la première ligne, les habitudes de vie. Particulièrement, limiter les apports en sel. Aussi, on parle de diète spécifique à la prévention de l'hypertension, ici la diète DASH, mais il y a beaucoup d'autres diètes qui ont un effet bénéfique sur l'hypertension, de manière additionnelle à leur effet de diminution de sel alimentaire. On parle de limiter les apports en alcool, de cesser le tabac, d'encourager l'exercice physique, la perte de poids, la gestion du stress, et même, basé sur des données qui ont été présentées dans une étude du New England Journal of Medicine en 2021, possiblement donner ou recommander aux patients de remplacer leur sel de sodium par des sels potassiques qui pourraient avoir un effet bénéfique là, sur le contrôle de l'hypertension de manière presque non pharmacologique. On parle quand même ici de suppléance, là, mais au niveau alimentaire. Comment est-ce qu'on traite pharmacologiquement l'hypertension chez les patients avec maladie athérosclérotique? Eh bien, les molécules qui sont efficaces en maladie athérosclérotique pour diminuer les événements cardiovasculaires sont les mêmes qui sont encouragées pour les traitements de première ligne chez l'hypertension essentielle. Issus de l'étude ALHAT, on a comparé des groupes entre eux pour voir s'il y avait des molécules qui étaient meilleures que d'autres pour prévenir les événements cardiovasculaires en hypertension. De là est ressorti les quatre molécules que je vous présente ici. Seulement a été retirée la catégorie de molécules des alpha-bloqueurs qui a été retirée parce que l'effet protecteur cardiovasculaire était moindre que les molécules présentées ici. Et ces molécules-là, donc les alpha-bloqueurs, ne sont plus recommandées en première ligne. Donc, les molécules qui nous restent, un bel arsenal thérapeutique, on a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui sont un peu plus à éviter chez les populations noires en première ligne, pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont moins efficaces. On parle des inhibiteurs de récepteurs de l'angiotensine. On parle des thiazides-like de longue durée, donc la classe dont fait partie la clortalidone et l'indapamide. Un petit mot là-dessus, là, en première ligne, là, il n'est plus recommandé d'utiliser les diurétiques de la classe des thiazides standard, donc le plus commun qu'on voit est l'hydrochlorothiazide parce que cette molécule-là ne diminue pas les événements cardiovasculaires dans l'étude Mr. Fit, entre autres, quand on la compare au thiazide-like. Donc, ce serait cette molécule qui devrait être utilisée de manière préférentielle. Et finalement, en quatrième choix, on a les bloqueurs des canaux calciques d'hydropyridine de longue durée, donc l'amlodipine et la nifedipine, entre autres.
Les bêta-bloqueurs, ils ont déjà fait partie des recommandations pour l'hypertension, des traitements initiaux pour l'hypertension. Eh bien, elles ne sont plus recommandées en première ligne s'il n'y a pas d'autres indications auxquelles je reviendrai plus tard. Pourquoi? Parce qu'elles semblent être associées à une moins bonne protection contre les AVC et la mortalité de toute cause, particulièrement chez les personnes âgées. Et elles s'accompagnent aussi de beaucoup d'effets secondaires, particulièrement chez les patients plus jeunes. On parle ici d'intolérance à l'effort, de fatigue, de problèmes érectiles, etc. Alors, quelle molécule utiliser? Eh bien, ça dépend de quelle problématique de santé le patient a et de quelle présentation de sa maladie athérosclérotique il a souffert. Je vais vous parler de quelques molécules, comment on les recommande selon les pathologies, mais il faut se rappeler surtout que ce qui est important en hypertension, c'est surtout de traiter l'hypertension, de diminuer le chiffre d'hypertension, plus que de choisir laquelle molécule sera la meilleure. Et la molécule qui sera la bonne sera celle que le patient prendra et qui permettra de vaincre l'inertie thérapeutique du thérapeute. Si une molécule qu'il est plus à l'aise de prescrire qu'une autre, il est mieux d'utiliser celle-là pour éviter de retarder l'introduction de la molécule. Mais quand même, si on a le choix, voici selon les pathologies, quelles molécules peuvent être considérées en premier. Pour ce qui est des diabétiques, on parle des inhibiteurs du système rénal angiotensine-aldostérone, à laquelle on peut ajouter un bloqueur des canaux calciques par la suite. Il est important aussi de savoir et de reconnaître que les inhibiteurs du système rénal angiotensine-aldostérone peuvent même être recommandés en diabète, hors des cibles de traitement d'hypertension de Santé Canada, si le patient présente des complications micro ou macrovasculaires, ou s'il a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, chez un patient qui a une maladie athérosclérotique, eh bien, probablement qu'il pourrait se bénéficier d'un ISCA ou un ARA s'il pouvait le tolérer et qu'il n'était pas à risque de complications, même s'il n'est pas nécessairement dans les cibles d'hypertension Canada. Pour ce qui est de la maladie rénale, on recommande un ISCA ou un ARA en premier de par leur effet protecteurs sur la fonction rénale à long terme. Pour ce qui est des patients avec AVC, basés sur les études PROGRESS, PROFESS et PATS, on recommande en premier ordre, si on est capable, d'utiliser un ISCA avec un thiazide-like, surtout parce que les bloqueurs des canaux calciques ont été moins étudiés en AVC. Dans l'étude HOPE, on a démontré qu'en maladie vasculaire athérosclérotique, donc en maladie artérielle périphérique, l'ISCA serait probablement le meilleur choix. À cela s'ajouterait par la suite le bloqueur de canaux calciques. Il est intéressant aussi des données un petit peu plus récentes qui semblent démontrer qu'en ostéoporose sévère chez les patients hypertendus, un thiazide-like pourrait être bénéfique pour protéger la densité osseuse à long terme, probablement par un effet sur la calciurie. Pour ce qui est des maladies cardiaques, les maladies cardiaques athérosclérotiques asymptomatiques qui auraient été trouvées de manière incidentelle, recommande un traitement qui s'apparente plutôt à la maladie artérielle périphérique. On parle donc d'un inhibiteur du système rénal angiotensine-aldostérone, puis d'un bloqueur des canaux calciques. À l'opposé des maladies cardiaques symptomatiques syndromiques, telles que l'angine, l'angine instable, le syndrome coronarien aigu et l'insuffisance cardiaque, pathologie chez qui on peut considérer ou même on devrait considérer l'ajout du bêta-bloqueur, même si le patient n'est pas hypertendu, pour aider à contrôler les symptômes et à diminuer les événements cardiovasculaires. Quelle cible on devrait viser en hypertension en prévention secondaire chez les patients avec maladie athérosclérotique? Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Si on se base sur les recommandations d'Hypertension Canada actuelles, on recommande encore pour la majorité des patients à bas risque de viser une cible de pression avec une méthode oscillométrique au bureau de 140 sur 90 et moins, et à domicile avec une mesure de pression à domicile, soit par le patient ou par une méthode MAPA de 135 sur 85. Pour ce qui est des patients diabétiques, entre autres basés sur l'étude ACCORD-BP, on recommande de diminuer les pressions en dessous de 130 sur 80 dans les recommandations canadiennes. Et finalement, pour les patients au risque cardiovasculaire, basés surtout sur l'étude SPRINT et SIX et dérivés, on peut considérer tenter de diminuer la tension systolique en dessous de 120 chez un patient qui demeurerait asymptomatique et tolérant de cette thérapie, si le patient est à haut risque cardiovasculaire. Dans ces études qui touchaient les patients en haut de 50 ans, qui avaient une tension systolique en haut de 130 mm de mercure et qui avaient un haut risque cardiovasculaire, cette approche semblait diminuer de manière significative les événements cardiovasculaires. Dans cette étude, quand on parle de patients à haut risque cardiovasculaire, on parle de patients avec maladie athérosclérotique avérée symptomatique, des patients qu'on touche
les patients qu'on touche dans notre présentation d'aujourd'hui, mais aussi des patients avec insuffisance rénale de stade 3-4 environ, là, à peu près dans les études, les patients avec risque cardiovasculaire sur 10 ans de 15% et plus, donc à risque modéré élevé, ainsi que les patients en haut de 75 ans. Il est important, par contre, de reconnaître que dans l'étude SPRINT, les patients avec AVC, diabète, protéinurie importante, insuffisance cardiaque, syndrome coronarien récent, insuffisance rénale de stade 5 ou préterminal, ainsi que les patients en perte d'autonomie étaient exclus de cette étude, donc peut-être à reconsidérer cette cible chez les patients avec ce genre de problématique. Maintenant, on va passer au traitement antihypertenseur, leurs complications, ainsi que les manières de moduler là, les complications de ces traitements-là. En commençant par les inhibiteurs du système rénine angiotensine aldostérone, que sont l'inhibiteur d'enzyme de conversion de l'angiotensine, ainsi que les agonistes des récepteurs de l'angiotensine. La diminution de la filtration glomérulaire est quelque chose que beaucoup de cliniciens redoutent, mais qui ne devrait probablement pas être aussi redouté que ça, car l'augmentation de la créatinine, la diminution dans les prises de sang, là, de la fonction rénale, n'est pas due à un réel dommage rénal lors de l'utilisation de ces molécules, mais plutôt à une relaxation là, préférentielle de l'artériole afférente du glomérule qui met le glomérule un peu au repos et qui augmente sa survie à long terme. Il est donc adéquat de tolérer une augmentation jusqu'à 30 % de la créatinine suite à l'introduction de ces molécules, ce que vous savez probablement déjà. Mais par contre, un petit bémol, de faire attention et d'y aller modérément, d'y aller mollo là, avec des doses un peu plus basses et de les augmenter un peu plus progressivement chez les patients qui sont à risque d'avoir une réaction exagérée là, au niveau de la fonction rénale avec ces molécules, particulièrement les patients avec sténose des artères rénales, insuffisance rénale chronique préexistante, insuffisance cardiaque ou les patients à risque d'hypovolémie. Je pense surtout aux patients qui prennent des diurétiques et qui sont hypo à isovolémique. Là. Ces patients-là devraient probablement avoir une introduction à des doses basses et un titrage progressif des molécules et aussi avoir une surveillance un peu plus rapprochée de leur fonction rénale. Quoique, on recommande tout de même pour tous les patients qui débutent ce genre de molécules d'avoir une réévaluation de leur fonction rénale et des électrolytes qui y sont associés environ 5 à 7 jours après le début de la molécule. Si la créatinine augmente plus que prévu, il est adéquat de rechercher une sténose des artères rénales, quoique le traitement des sténoses d'artères rénales de cause athérosclérotique là, est plus souvent qu'autrement médical et inclut entre autres un ISR ou un ARA à dose maximale tolérée. Et par la suite, après avoir arrêté temporairement la molécule lors d'insuffisance rénale aiguë importante suite à leur introduction, de tenter une réintroduction si ces molécules étaient vraiment là, jugées comme pertinente pour la protection cardiovasculaire du patient. Par contre, dans ces circonstances-là, on commencerait à des doses moindres, on procéderait à une augmentation progressive et on essaierait potentiellement de diminuer les diurétiques chez le patient chez qui on pourrait attribuer une partie de la problématique à un état d'hypovolémie. Maintenant, des effets secondaires reliés surtout à l'inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui diminue aussi la dégradation de la bradykinine. Ceci peut mener à de l'atout et à de l'angioédème. L'atout relié aux ESA, c'est quelque chose de fréquent. On dit une personne sur 20 à une personne sur 5. C'est quelque chose qui est très rare avec les agonistes des récepteurs de l'angiotensine. Donc, souvent, la première alternative lorsqu'il y a une toux avec les ESA, c'est de remplacer par un agoniste des récepteurs de l'angiotensine. Des fois, quand on a un doute sur la cause de la toux, ce qui est assez rare, là, mettons qu'il y a un doute confondant en même temps que l'introduction de la molécule et qu'en arrêtant la molécule, la toux disparaît, on peut parfois tenter une réintroduction, mais plus souvent qu'autrement, les patients vont représenter une toux qui est souvent assez symptomatique pour mener le patient à arrêter la molécule. Les angioédèmes reliés aux ESA, c'est quelque chose d'un peu plus rare, mais qui n'est pas si rare que ça. On parle d'une personne sur 200. Souvent, ces patients-là se méritent une évaluation chez un médecin pour évaluer la possibilité d'autres diagnostics. Et souvent, c'est une contre-indication absolue. Pas souvent, c'est une contre-indication absolue à la réintroduction de la molécule. Par contre, ce n'est pas nécessairement une contre-indication à l'introduction ou au remplacement plutôt par un agoniste des récepteurs de l'angiotensine. Et important de reconnaître aussi que ce genre de complication-là peut arriver plus souvent lorsqu'on le patient prend d'autres inhibiteurs de la dégradation de la bradykinine. On pense entre autres, quelque chose qui n'est pas souvent connu, aux inhibiteurs du DPP-4.
Mais de toute façon, comme j'ai dit, vos patients devraient être aux inhibiteurs GLP-1 à la place. Donc, ça ne devrait pas porter problème. Finalement, mais maintenant, on change de classe. Pour ce qui est des bloqueurs des canaux calciques, dihydropyridine, l'effet secondaire le plus souvent rencontré et qui est le plus importunant pour les patients est la présence d'édème périphérique. Cette problématique-là est dose dépendante. Donc, des fois, juste la diminution de la dose de la molécule peut aider à résoudre le problème. On parle entre autres de diminution jusqu'à 5 mg et moins d'amlodipine. Le changement pour la prise HS ou au coucher de la molécule au lieu de la prendre le matin peut parfois aider aussi. Si le bloqueur de canaux calciques s'avérait être une molécule qu'on veut vraiment prioriser chez le patient et que les œdèmes ne répondaient pas aux interventions, on peut parfois considérer des bas de compression, mais il faut s'assurer que l'état vasculaire du patient permet l'utilisation de ces bas-là, puis aussi que le patient va actuellement les utiliser là, réellement, parce que des bas de compression qui restent sur le bureau tous les jours, sauf quand on va voir le docteur, c'est pas très utile. Voilà. D'autres options qui peuvent s'offrir à nous quand il y a un œdème, on peut essayer de prescrire un ISCA ou un ARA. Des fois, ceci, juste l'addition de cette molécule-là peut aider à diminuer l'œdème. Ou on peut simplement le changer la molécule pour un non-dihydropyridine. On passe au cardizem, on passe au verapamil, bien que ces médicaments-là s'accompagnent aussi de leurs problématiques particulières. On pense entre autres à la constipation, à la bradycardie et à l'inotropie négative qui peut rendre ces molécules-là relativement contre-indiquées en insuffisance cardiaque. Finalement, on va parler des thiazides-like, des bonnes molécules avec plein d'avantages, mais aussi malheureusement quelques problématiques métaboliques qui s'y associent. On pense entre autres à l'hypokaliémie qui, dans le cas des thiazides-like, peut parfois même être aussi importante que celle qu'on peut voir avec le Lasix, les diurétiques de Lance. On peut essayer de moduler cette problématique-là en remplaçant la molécule ou en la combinant avec un antihypertenseur diurétique de la classe des épargneurs de potassium, qui est souvent la molécule qui est recommandé là, en premier choix après l'utilisation des molécules de première ligne. On peut aussi diminuer les apports en sodium péros alimentaire du patient, ce qui, en diminuant l'apport sodé au tubule, diminue les problématiques d'hypokaliémie. Parfois, cette molécule-là, ou même, je dirais, quand même relativement fréquemment, cette molécule-là peut s'accompagner d'une hyponatrémie. C'est entre autres pourquoi on recommande un contrôle des électrolytes et de la fonction rénale après l'introduction de cette molécule. On pourrait recommander aussi d'essayer d'éviter cette molécule-là chez les patients qui ont d'autres facteurs de risque d'hyponatrémie, entre autres les gens qui ont peu d'apport alimentaire, qui mangent peu, qui consomment beaucoup d'alcool, ou chez les patients potomanes. Cette molécule-là aussi, les thiazides-like ainsi que les thiazides de standard, font entre autres partie aussi de la liste des médicaments à suspendre en maladie ou lors de chirurgie que je vous ai parlé plus tôt quand je parlais des inhibiteurs SGLT2 et de la metformine. D'autres problématiques qui peuvent être associées aux thiazides-like, on pense à l'hypomagnésémie qui répond aussi à l'utilisation des diurétiques épargnants de potassium. On parle d'hyperuricémie avec sa conséquence, surtout de syndrome de goutte, qui peut être modulée en utilisant soit en traitant la goutte en tant que telle avec de l'allopurinol et le reste de la tiraille pharmacologique qu'on utilise pour la goutte, ou ceci peut aussi être diminué là, en ajoutant un ISCA ou un ARA, surtout le losartan, qui a un effet uricosurique. Les thiazides-like peuvent s'accompagner des fois d'hypercalcémie. Quand c'est isolé aux thiazides-like, c'est plutôt léger. Honnêtement, d'habitude, quand on découvre une hypercalcémie significative suite à l'introduction d'un thiazide-like, on peut penser qu'il faut même éliminer d'autres causes d'hypercalcémie, entre autres là, l'hyperparathyroïdie primaire, qui est la cause principale d'hypercalcémie non néoplasique. Finalement, il est important de reconnaître que le thiazide-like peut causer une légère augmentation de la glycémie, ce qui peut légèrement débalancer le diabète des patients qui débutent cette molécule et qui semble faire augmenter les incidences de diabète dans les études utilisant cette molécule. Mais c'est quand même une molécule qui est efficace, bénéfique au niveau cardiovasculaire et disponible lorsque l'on traite l'hypertension. Alors, maintenant, je vais passer une minute pour vous parler aussi d'une des complications des traitements antihypertenseurs. Je pense entre autres là, à la problématique de la non-compliance qui peut être exacerbée lors de l'utilisation de multiples molécules pour l'hypertension. Cette complication-là peut aussi venir malheureusement
contaminer l'utilisation d'autres molécules bénéfiques pour la prévention cardiovasculaire. Et c'est pourquoi je vous présente cette diapositive ici que j'ai extrait, duquel les données j'ai extraites du site d'Hypertension Canada et qui nous présente les comprimés combinés qui existent, qui contiennent les molécules là, recommandées en première intention pour le traitement de l'hypertension. Je pense surtout aux molécules combinées qui ne contiennent pas l'hydrochlorothiazide, qui est moins recommandée lors de traitement de l'hypertension, même en première ligne, mais surtout lorsqu'on on fait face à un patient en prévention secondaire de maladies athérosclérotiques. Maintenant, passons sans plus tarder à la troisième section de cette présentation, en espérant qu'à date, vous soyez satisfait de la présentation et des données qui vous sont présentées, et en espérant aussi que vous ayez des questions à poser à la fin. Sans aucun doute, vous en aurez. Alors, ici, on parle de dyslipidémie et de maladie athérosclérotique. Je m'excuse de la photo qui semble attribuer à l'alimentation la dyslipidémie. C'est une vision un peu antérograde, mais plutôt rétrograde de la dyslipidémie. On sait maintenant que l'alimentation est une composante plutôt petite là, à la dyslipidémie, surtout quand on parle surtout du LDL. Je trouvais pas de meilleures images pour présenter cette maladie-là, puis je trouvais que l'image était appétissante quand même. Ça fait que je voulais présenter ça à cette heure-ci en espérant que vous avez soupé ou que vous aurez soupé prochainement après la présentation. Quelques données intéressantes en dyslipidémie chez les patients avec maladie athérosclérotique pour garder la même structure que les autres sections, surtout tirer les données là, de l'étude HPS. La dyslipidémie est un facteur de risque majeur pour la maladie artérielle périphérique, la maladie cardiaque athérosclérotique, les syndromes coronariens aigus, les AVC. Pour un patient en prévention secondaire, une simple diminution des LDL de 1 mmol par litre, et ce de manière itérative, à chaque mmol par litre qu'on diminue, peut mener à une diminution de 20 à 25 % des risques cardiovasculaires du patient, ce qui est énorme chez les patients particulièrement à haut risque. Aussi intéressant, des études plus récentes là, qui ont étudié les événements cardiovasculaires chez les patients exposés à des bas risques de LDL, à des bas niveaux de LDL pour des longues périodes, il semblerait que ceci soit extrêmement protecteur pour les événements cardiovasculaires. On parle aussi d'études génétiques là, chez les patients avec des anomalies génétiques qui menaient à des taux de LDL très bas. On pense entre autres à des gens avec des mutations du gène du PCSK9, là, de la molécule PCSK9. Comment est-ce qu'on traite la dyslipidémie chez les patients avec maladie athérosclérotique? Pierre angulaire du traitement, vraiment la statine à haute dose, premier traitement à considérer et à essayer d'introduire, en plus des modifications des habitudes de vie. Un petit mot sur les habitudes de vie. En dyslipidémie, le changement des habitudes de vie n'aura pas un impact aussi impressionnant que sur le chiffre de LDL, que sur le chiffre de tension artérielle ou sur le chiffre de glycémie en diabète. On parle ici d'une diminution d'habitude entre 5 et 10 % maximum de LDL chez les patients qui font une approche seulement de changement d'habitude de vie pour leur dyslipidémie. Parfois, ça augmente à plus que ça quand les gens ont des habitudes de vie très hors de l'ordinaire, mais souvent, c'est une diminution qui est mineure. Mais l'effet pléiotropique sur la santé cardiovasculaire et la santé générale des habitudes de vie, des changements d'habitudes de vie tels que je les ai mentionnés précédemment, sont plus qu'un argument pour encourager les gens avec dyslipidémie seuls ou qui accompagnent une maladie athérosclérotique à travailler sur ce genre d'intervention. Donc, je reviens maintenant ensuite au traitement pharmacologique. Donc, je disais statine à haute dose, maximale tolérée. On recommande d'utiliser des statines à intensité élevée. On parle d'atorvastatine et de rosuvastatine. Et on parle aussi particulièrement de débiter ou d'intensifier rapidement le traitement hypolipémiant lorsqu'on a un événement cardiovasculaire. Je pense entre autres à l'étude Miracle qui avait démontré que si on donnait rapidement les traitements de statine suite à un infarctus, l'effet bénéfique était augmenté. Donc, on recommande même de le recommencer si on est capable 12 à 24 heures maximum après un événement cardiovasculaire significatif ou un diagnostic de maladie vasculaire, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on donne des statines? Eh bien, entre autres, basé sur l'étude qui est très connue, qui est l'étude HPS, là, chez les patients avec maladie artérielle périphérique,
on a démontré une réduction significative des événements cardiovasculaires majeurs chez les patients qui prenaient des statines. Les statines diminuent la mortalité dans les études chez les patients en prévention secondaire cardiovasculaire. Et souvent, les séparations de courbes de mortalité apparaissent très rapidement chez les études comparant l'utilisation des statines à placebo ou autre, même moins de un an, ce qui est assez impressionnant. Ce n'est pas toutes les études et toutes les molécules qui démontrent une diminution de la mortalité aussi rapide. Finalement, issu entre autres de l'étude SPARKLE, on a aussi reconnu que les statines étaient bénéfiques pour éviter les récidives d'AVC, même sur des courtes périodes d'études comme 5 ans. On part une statine, dose maximale tolérée. Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre comme seuil thérapeutique? Qu'est-ce qu'on essaie, à quel moment est-ce qu'on devrait pousser pour augmenter les traitements? On parle dans les recommandations canadiennes d'essayer de viser un taux de LDL inférieur à 1,8 millimol par litre. Ou si les LDL étaient difficiles à calculer, à obtenir, je pense entre autres aux patients avec hypertriglycéridémie importante, on peut utiliser d'autres marqueurs, d'autres seuils de bilan lipidique pour orienter notre traitement. On parle d'ApoB en dessous de 0,7 g par litre ou de non-HDL en dessous de 2,4 mmol par litre. Honnêtement, les non-HDL et l'ApoB, les deux sont probablement équivalents comme marqueur secondaire de traitement de la dyslipidémie. Et l'avantage du non-HDL à l'ApoB est que le HDL fait partie du bilan lipidique standard et qu'il n'a pas de coût additionnel au bilan lipidique standard comme l'ApoB. Mais les deux sont bons. On recommande, si c'est possible, de doser les lipides d'un patient chez qui on a débuté un traitement hypolipémia 4 à 8 semaines après le début de la molécule pour voir si le patient pourrait bénéficier de thérapie additionnelle ou d'une intensification de traitement. Dans certaines études, je pense aux études avec les ezetimibe sur lesquelles je viendrai plus tard, il semblerait par contre que malgré le seuil de 1,8 mmol par litre recommandé par les guides de dyslipidémie, qu'il pourrait avoir un gain additionnel sur les événements cardiovasculaires, particulièrement en prévention secondaire, jusqu'à même un LDL inférieur à 1,3 mmol par litre. Donc, on a parti notre statine, on n'est pas à cible après 4 à 8 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Il y a deux options standards qui s'offrent à nous à ce moment-là, soit les étrols ou les inhibiteurs du PCSK9. Chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients. Les étrols ont l'avantage d'être peu dispendieux, d'être disponibles sous forme péros, donc en comprimé. Par contre, il a des avantages de mener une diminution modeste des LDL, seulement environ 0,5 mmol par litre. Par contre, cette diminution-là s'accompagne, selon les études, toujours, d'une diminution des événements cardiovasculaires quand même. Une autre option serait un inhibiteur du PCSK9. Des avantages de cette molécule est qu'elle est chère. Si on tente un remboursement à travers l'assurance maladie, c'est assez difficile. En ce moment, au niveau des médicaments d'exception, de ce que je sais, elle n'est que remboursée chez les patients avec hyperlipémie congénitale. Malheureusement, c'est un médicament aussi qui se donne en injection. Donc, parfois, ceci peut repousser certains patients, quoique avec un bon counseling, et si le patient est convaincu de l'utilité de cette molécule, souvent, il est assez rare que les patients ne sont pas capables de s'injecter soi-même, surtout dans le contexte où ces molécules-là s'injectent une fois chaque 2 à 4 semaines et non tous les jours. L'avantage majeur de cette molécule-là est qu'elle est très efficace, même en ajout à une statine pour diminuer les LDL et qu'elle a un effet cardiovasculaire important. Donc, une partie de notre arsenal à garder en tête, peut-être éventuellement, surtout quand elle deviendra plus disponible. Donc, les étrols, pourquoi est-ce qu'on prescrit de les étrols? Comme je disais, cette molécule-là mène à une diminution modérée, je dirais, du taux de LDL quand elle est additionnée à une statine à dose maximale tolérée. Par contre, ceci semble se répercuter. Là, ici, on parle de l'étude IMPROVE-IT, chez qui les étrols, les ezetimibe avaient été étudiés en combinaison à la simvastatine. Donc ici, une diminution de 2% en absolu des événements cardiovasculaires majeurs sur un suivi un peu plus long de 7 ans là, chez les patients à très haut risque cardiovasculaire. Donc, une molécule à garder en tête. Maintenant, quand on cherche à voir quelles sont les données pour les inhibiteurs PCSK9, ici, je vais vous présenter les points saillants là, de l'étude avec l'évolocumab ou le Repatha, l'étude Fourier, ainsi que
excusez-moi, ainsi que les données avec l'irocumable Pralua dans l'étude Odyssey Outcomes. Dans ces deux études, malgré que les patients étaient en grande partie déjà utilisateurs de statines à haute dose, ces molécules-là diminuaient de manière significative les LDL et diminuaient les événements cardiovasculaires majeurs, lors d'une étude avec des suivis relativement courts de 2 à 3 ans. Par la suite, on a nos LDL à cible, on a commencé une statine, un ésétrol si on est capable, on a visé un LDL en dessous de 1,8 ou en dessous même jusqu'à 1,3 en prévention secondaire avec l'ésétrol. Si on a eu besoin, si on a été capable de l'obtenir, on a eu un inhibiteur du PCSK9, surtout si notre patient présente une dyslipidémie familiale. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour notre patient qui présente une dyslipidémie? Eh bien oui, on peut considérer l'ajout d'icosapent éthyl à la pharmacothérapie du patient. L'icosapent éthyl est un dérivé d'oméga-3 spécifique et purifié. Il semblerait que son effet cardiovasculaire, quand on l'oppose aux effets un peu décevants des oméga-3 standards dans les études, soit dû au fait qu'il est une forme purifiée de type spécifique d'oméga-3 qui vient mettre de côté les oméga-3 plutôt pro-inflammatoires. Cette molécule-là, dans l'étude Reducit, semblait, chez les patients qui possédaient une hypertriglycéridémie, on parle de triglycérides là, entre 1,7 et 5,6, malgré un traitement médical optimal des LDL, que cette médication-là permettait de diminuer les événements cardiovasculaires majeurs chez les patients à haut risque. On parle ici d'une diminution significative de 4,8% des événements sur 5 ans. Ce qui est intéressant aussi avec cette molécule, c'est qu'elle a été quand même récemment, là, très récemment, rendue disponible par un remboursement avec le régime d'assurance maladie. Avant, c'était aux frais des patients ou avec les assurances privées. Mais maintenant, la RAMQ rembourse cette médication si un patient a un traitement optimal adéquat des LDL et un triglycéride en haut de 2,26 en prévention secondaire. Donc, peut-être quelque chose qu'on va commencer à avoir un petit peu plus souvent. Pour ce qui est des effets secondaires, cette molécule-là, profil d'innocuité qui est quand même très, très, très intéressant. Une augmentation théorique des risques de saignement, mais qui ne s'est pas répercutée sur les saignements majeurs de manière significative dans l'étude Reducit. Une augmentation, par contre, légère des risques d'hospitalisation pour fibrillation auriculaire de 2 dans le groupe placebo à 3% dans le groupe traitement dans l'étude. Peut-être à garder en tête si le patient avait une fibrillation auriculaire difficile à traiter pour laquelle il est souvent hospitalisé. On va parler des molécules maintenant moins utilisées. Qu'est-ce qu'on fait des fibrates? Dans l'étude FIELD, peut-être une diminution des amputations distales chez les patients avec insuffisance artérielle microvasculaire et diabétique. Pour avoir un effet, surtout si les patients avec triglycérides très hauts ou HDL très bas, mais il n'y avait pas dans cette étude d'effet sur la mortalité. Cette molécule s'accompagne de beaucoup d'effets secondaires, particulièrement en lien avec les interactions avec les statines. Donc, il ne faut surtout pas mettre cette molécule-là si elle nous force à diminuer notre dose de statine, selon moi, et selon des experts. Et aussi, donc, comme je disais, c'est pas nécessairement et c'est pas du tout une molécule qui est recommandée en première ligne là, pour le traitement de la dyslipidémie si on arrive à nos cibles avec les molécules que j'ai mentionnées précédemment. Pour ce qui est des séquestrants d'acide biliaire, c'est un peu la même chose. Efficace pour réduire le chiffre de LDL, effet incertain sur les événements cardiovasculaires et la mortalité, énormément d'effets secondaires non recommandé si on arrive à atteindre les cibles avec notre thérapie et probablement plus du domaine de l'ultra-spécialiste que des intervenants de première ligne. Maintenant, quelques minutes sur les hypolipémias et leurs effets secondaires, ainsi que comment faire pour essayer de diminuer l'impact négatif de ces molécules-là sur nos patients. Une approche générale pour ce qui est du suivi des patients qui reçoivent une hypolipémia, il est important de reconnaître qu'il n'y a aucun bilan qui est recommandé nécessairement d'emblée chez les patients à qui on veut débuter un traitement hypolipémiant, à moins de doutes cliniques de dysfonction significative d'organes, particulièrement d'insuffisance hépatique, entre autres. Il n'y a aucun bilan nécessaire au suivi des patients qui prennent une hypolipémia, à part pour ajuster la thérapie en utilisant un bilan de lipides, finalement. Si le patient demeure asymptomatique, on n'a pas besoin de faire de prise de sang standard de routine.
Chez les patients âgés, il peut être raisonnable de débuter une statine, toujours des statines à haute intensité, à dose intermédiaire au lieu de haute dose, puis de l'augmenter selon la tolérance. Et ces patients-là bénéficient probablement aussi, là, les personnes âgées, de doses de statines maximales tolérées, là, si on est capable de l'utiliser dans un contexte de prévention secondaire. Il est aussi intéressant de reconnaître que dans les études, il n'y avait aucune augmentation des effets secondaires en lien avec les traitements hypolipémia avec seulement le seuil de LDL. Ce que j'entends par là, c'est que les médicaments peuvent mener à des effets secondaires, mais que ceux-ci ne sont pas plus fréquents plus qu'on fait diminuer le LDL. Elles sont inhéremment liées à l'utilisation de la molécule et il n'y a pas de seuil de LDL qui semble être problématique jusqu'à au moins 1,3 qui était la cible d'introduction des traitements hypolipémia la plus basse dans les études. On parle de l'étude avec les étrols. Quelques minutes pour parler de myopathie aux statines, une problématique qui est souvent rencontrée en clinique. Les gens qui prennent des statines, il y en a environ 10 % qui se plaindront de douleurs musculaires, surtout ceux qui ont accès à Internet. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre de douleurs musculaires. C'est un problème qui est fréquent, qui est réel et qui a un impact majeur là, sur l'utilisation des statines chez les patients. Ce qui est dommage parce que c'est la molécule, dans les molécules les plus importantes à considérer, à introduire là, chez les patients avec événements cardiovasculaires pour diminuer leur risque. Des réelles myonécroses, des réelles nécroses musculaires, des CK augmentés là, de manière significative, c'est moins de 1 % de la population par contre, donc moins de 1 sur 10 patients qui présenteront des myalgies. La seule contre-indication absolue à la reprise de statine suite à l'arrêt thérapeutique, l'arrêt en essai thérapeutique là, quand un patient présente des myalgies. La seule contre-indication réelle, c'est une vraie rhabdomyolyse attribuée aux statines avec des CK plus de 10 fois la normale, plus ou moins de la myoglobinurie, plus ou moins d'insuffisance rénale. Puis ça, c'est moins de 0,1 % des patients. C'est extrêmement rare. Une chose à garder en tête aussi, c'est que si un patient présentait une augmentation modérée des CK, sans symptômes, on parle jusqu'à 3 fois la normale, qu'il n'y avait pas d'autre cause qui a été identifiée, on peut considérer conserver les statines, surtout en prévention secondaire, à cause de l'effet bénéfique de cette molécule. Mais cette augmentation de CK devrait probablement être surveillée de manière itérative. Donc, c'est peut-être la situation où on devrait faire des bilans de routine standard de suivi chez les patients qui ont des hypolipémias, de manière additionnelle au suivi juste du bilan lipidique. Si on a une augmentation des CK chez un patient qui prend une hypolipémie, qu'est-ce qu'on fait? On devrait probablement cesser la statine et attendre de voir si les symptômes et l'hyper-CKMI, l'élévation sanguine du taux sérique de CK, s'amendent. On devrait aussi voir s'il n'y aurait pas un confondant qui pourrait expliquer les symptômes et l'augmentation des CK. On pense en particulier à l'hypothyroïdie, à l'exercice intense, aux patients avec masse musculaire importante, aux interactions médicamenteuses, à la prise d'alcool, etc. Par la suite, ce qu'on pourrait essayer de faire pour tenter de réintroduire la statine, première chose, il semble y avoir possiblement un lien entre les effets secondaires, surtout si des symptômes en lien aux statines et le déficit en vitamine D. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à corriger. Ce n'est pas très cher, ce n'est pas très complexe. Parfois, ça peut être utile. On peut ensuite tenter, là, après avoir arrêté la statine suite à une intolérance, on peut tenter de la réintroduire à dose moindre. On peut tenter d'introduire une statine de type différent. On pense entre autres aux hydrosolubles comme l'aerosuvastatin ou le pravastatin ou le fluvastatin qui était associé dans les études à moins d'effets secondaires musculaires. On peut même essayer de tenter de prendre la molécule et de la donner aux 2 jours au lieu de la donner chaque jour. J'aimerais mieux qu'un patient en prévention secondaire prenne une dose minimale de fluvastatin aux 2 jours que pas du tout de statine, parce que ce genre d'intervention-là a un effet cardiovasculaire probablement important qu'on devrait tenter d'offrir à nos patients en prévention secondaire particulièrement. Sinon, si malgré toute intervention, le patient reste intolérant aux statines, on devrait se pencher et reposer sur d'autres molécules, entre autres les étrols, les inhibiteurs du PCSK9, etc., que je vous ai déjà présentés. Finalement, on va parler d'atteinte hépatique reliée aux statines. Beaucoup d'inquiétudes à ce sujet-là, surtout dans le passé. Il y avait antérieurement une recommandation de suivre les bilans hépatiques des patients sous statines.
Ceci n'est plus recommandé. Ce genre de problématique-là semble être vraiment une réaction à l'idiosyncratique rare, qu'on ne peut pas prévoir, qui est très rare, même que les insuffisances hépatiques sévères associées aux statines, ben, qui étaient imputées aux statines, quand on regarde les méta-analyses des données d'études en statines, semblerait que dans le groupe placebo et dans le groupe statine, entre les deux, il y a le même niveau de dysfonction sévère hépatique. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est spécifique à certains patients, un très petit groupe? Donc, dans les grandes études, on ne voit pas le signal possible. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui est très rare. Comme je disais, quand on débute une statine ou quand on suit un patient qui prend une statine, il n'y a pas de dépistage ni de test de suivi recommandé au niveau hépatique, sauf chez les patients qui développeraient des symptômes ou chez qui on aurait un doute clinique. Et finalement, une transaminase qui est inexpliquée à plus de 3 fois la normale, à plusieurs reprises, sur plusieurs prélèvements itératifs. On pourrait considérer tenter de suspendre la statine, voir si ceci avait un effet, mais ceci ne devrait surtout pas être une contre-indication à essayer de réintroduire une statine en utilisant les stratégies que je vous ai mentionnées précédemment. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Un gros mandat, faire tout ça en 1 heure, 3 maladies importantes. J'espère que ceci vous a été, que vous avez trouvé cette présentation intéressante et utile. J'espère que mon PowerPoint pourra vous être utile en clinique. Et je voudrais juste finir sur cette conclusion qui est assez large, mais qui est pour moi très importante. Le traitement des comorbidités comme l'hypertension, le diabète et la dyslipidémie, c'est vraiment une pierre angulaire du traitement de la maladie artérielle athérosclérotique sous toutes ses formes. C'est important de donner des antiplaquettaires, c'est important de débloquer les patients, mais si on ne traite pas les comorbidités, les gens récidiveront et redévelopperont des problématiques à long terme et auront une diminution significative de leur qualité et de leur quantité de vie, c'est certain. Chacune de ces maladies nécessite une prise en charge qui est adaptée quand il y a une présence de maladies vasculaires athérosclérotiques. C'est vraiment important de prendre temps quand on a ce genre de patient devant nous, d'essayer d'introduire de manière plurifactorielle et en même temps d'introduire des molécules, des interventions d'habitude de vie qui viennent toucher le plus possible de ces maladies en même temps. Et aussi, il est important de reconnaître que même si certaines de ces molécules-là ont des effets secondaires, même s'ils ont besoin de suivi, que ces molécules-là sont sécuritaires, particulièrement si elles sont employées de manière prudente et surtout en partenariat avec le patient, qui est finalement le plus grand bénéficiaire et ou même le seul bénéficiaire là, de l'introduction de ces thérapies-là. Sur ce, je vous remercie. Je vous laisserai, là, vous avez en référence ma conférence. Les références pour toutes les études que j'ai mentionnées dans ma présentation sont à la fin. Vous pourrez vous y référer si ça vous intéresse d'aller lire un petit peu plus là-dessus. Je vous encourage là, à utiliser donc ma présentation comme outil dans votre travail de tous les jours, si vous voulez. Ça me fait vraiment un grand plaisir de vous avoir présenté aujourd'hui. On va maintenant pouvoir passer à la période des questions. Ben, merci. Super conférence. Je pense qu'on a été rassasiés. Écoutez, il y a évidemment beaucoup de questions. Juste à titre de rappel pour tout le monde, simplement pour vous dire que la présentation va être disponible sur le site de la SSVQ. Elle est aussi disponible en bas de votre écran. Pour ceux qui ne l'avaient pas déjà sur leur portable ou leur iPad. Donc, petite question. En fait, il y en a plusieurs. Là, je vais commencer peut-être y aller par section, là, par la première section, le diabète. Donc, que faire avec les inhibiteurs de la SGLT2 avec une insuffisance rénale, donc en bas de 30 ml par minute? On les cesse, on les maintient, on gère la fonction rénale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien. C'est sûr que ça vient pas vraiment nécessairement toucher la présentation d'aujourd'hui, mais ces molécules-là ont démontré une innocuité puis même une protection rénale à long terme. On parle souvent là, ce qu'on dit souvent. Moi, je suis en médecine interne générale. Ce qu'on a tendance à faire, c'est que ces molécules-là, surtout si c'est pour le traitement du diabète là, précisément, on les introduit en haut de 36 minutes. Et si on diminue en dessous et qu'on n'a pas d'inquiétude majeure, on a tendance à les conserver parce que dans les études d'insuffisance rénale, ces molécules-là semblent être protectrices pour la fonction rénale. Donc, moi, je n'ai pas tendance à les retirer. Par contre, j'ai moins tendance à vouloir les introduire si le patient n'a pas d'indication ou est reconnu, remboursé, s'il est en dessous de 36 minutes. Mais je reconnais que
certaines personnes pourraient l'introduire même en dessous de 36 minutes, puis ceci pourrait être correct et protecteur et bénéfique pour le patient, honnêtement. Merci. Une autre petite question. La metformine, plusieurs travaillent avec les fameux protocoles de l'INES, où est-ce qu'on dit d'augmenter la metformine jusqu'à tolérance. À partir d'où qu'on cesse d'augmenter nos metformines? Évidemment, il y a la tolérance, mais... On parle de la dose, là? Oui, de la dose, effectivement. Ben, c'est au-delà de 850 bids, ouais, on arrête ou on ajoute? Moi, ben, je vais vous dire, il n'y a pas vraiment de recette miracle, je pense. C'est sûr que la dose maximale, si on veut y aller maximum de milligrammes, là, on peut aller 850 TID. Moi, personnellement, j'ai tendance à vouloir conserver une utilisation BID à cause de la compliance. Là. J'essaie d'éviter de prescrire des médicaments TID aux patients. Puis je ne pense pas qu'il y a un avantage significatif entre le 1 gramme BID et le 850 TID, mais je pense qu'on pourrait m'argumenter là-dessus. Puis l'autre chose, c'est que je me dis que rendu à 1 gramme BID, chez le patient, là, on parle de patients en prévention secondaire ici. Rendu à 1 gramme BID, c'est peut-être le temps de passer à une autre molécule qui a peut-être d'autres avantages cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Mm-hmm. Étant donné qu'on a une bonne panoplie de choix qui ont des avantages même additionnels, je pense entre autres aux GLP-1 qui peuvent aider à faire perdre du poids aux patients, puis qui peuvent, tu sais, ça protège au niveau de leur santé cardiovasculaire. Ils perdent du poids, ça augmente le rapport thérapeutique avec le médecin. T'sais, le médecin ou l'intervenant de première ligne, les patients sont très reconnaissants d'habituer cette molécule-là. Il y a presque juste des avantages. Fait que moi, je garde du BID, je monte au maximum, puis ensuite, je change, honnêtement. Mais je pense qu'il faut quand même vraiment prendre le temps de décider d'avoir la dose maximale de metformine, parce que, entre autres, c'était ça qui était fait dans les études. C'est pas très cher, puis il y a quand même une considération pharmaco-économique. Mais moi, c'est comme ça que j'approche la question, personnellement. Merci, super. Pourquoi est-ce si important de s'attarder à l'insuffisance cardiaque dans le traitement du diabète? Bon, c'est sûr. T'sais, dans les études d'inocuité cardiovasculaire, puis dans les études, dans les autres études sur la sécurité de ces molécules-là, il y a eu beaucoup de signaux. Il y a eu quelques signaux dans certaines molécules. Je pense au glitazone, là, puis à certaines formes d'inhibiteurs du DPP-4 qui semblaient augmenter l'insuffisance cardiaque. Ça a été une inquiétude majeure. Au moment où ces molécules-là sont devenues disponibles. Et ces données-là sont ressorties, mais ces molécules-là sont maintenant moins utilisées. Et moi, quand on dit à quel point il faut s'intéresser à l'insuffisance cardiaque, je pense que c'est plutôt maintenant de voir quelles médications seraient protectrices pour ce genre de pathologie, pour cette maladie-là qui est une maladie dévastatrice, là, qui, on disait avant le temps des traitements modernes, qu'il y avait une mortalité qui était équivalente à celle du cancer, là, et de vraiment pousser sur l'utilisation des inhibiteurs du SGLT2 en ajout au reste de l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque dès qu'on a l'opportunité de l'utiliser. Et maintenant qu'on a un code là, pour la dapagliflozine, même hors diabète, je pense qu'un patient diabétique en prévention secondaire qui a l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas lui prescrire cette médication-là, à moins qu'il y ait une contre-indication. Là. Mais je pense que c'est vraiment primordial parce que c'est une pathologie qui est souvent rencontrée là, en comorbidité avec nos maladies. Puis même avec les données récentes potentiellement bénéfiques, là, l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, je pense qu'on a vraiment devant nous là, une mine d'or pour aider les patients. Je ne parle pas des patients en ce moment qui sont uniquement insuffisants cardiaques, mais qui ont plein d'autres raisons de prendre des SGLT2. Là. Je pense que c'est vraiment, ça devrait il devrait vraiment avoir de l'éducation puis de la motivation au niveau des même des gens de première ligne, mais aussi des spécialistes pour introduire rapidement ces molécules-là chez les patients chez qui c'est approprié. Je ne sais pas si ça répond à la question. Hein. Ben, en tout cas, c'est très clair pour moi, en tout cas. Merci. On passe à une autre section, hypertension. Donc, question pour nos patients qui sont un peu plus âgés, qui sont stables avec bêta-bloqueurs, mais qui n'ont pas vraiment de raison nécessairement d'être sur un bêta-bloqueur parce qu'il y a une MCAS, parce qu'il y a un antécédent particulier, mais sont stables depuis 10 ans. On les cesse, on les diminue, on les change, on sait qu'ils sont moins efficaces en règle générale. Donc, on fait quoi avec ces patients? Moi, je dirais, bon, la première chose à faire, c'est demander aux patients, parce que quelqu'un qui prend la médication stable depuis 20 ans, puis que des fois, tu sais, des fois, chez les patients avec un peu de psychorigidité, il relie à l'âge, là,
attention, tu sais, ils ne voudront pas les changer, les molécules. Ouais. Puis s'ils n'ont pas de complications, je pense que c'est bien adéquat de garder la molécule, puis de travailler sur le rapport thérapeutique, puis d'insérer d'autres choses pour essayer de les aider, que d'essayer de taper sur le ciboulot, de leur faire arrêter leur molécule dans laquelle ils ont confiance pour les changer. Par contre, je pense entre autres à des molécules plus vieilles qui ont un profil de sécurité qui est moins bon, l'athénolol, par exemple, tu sais, des bêta-bloqueurs qui s'accumulent. Si on est capable de diminuer, de l'arrêter, puis de le changer, puis que le patient, des fois après, pas initialement, mais après avoir développé un lien thérapeutique avec le patient, je pense que c'est pas une mauvaise idée, personnellement. Surtout quand on considère qu'il y a d'autres molécules avec un profil d'inocuité meilleur là, pour l'hypertension, surtout en prévention secondaire, là. On a parlé de la population noire, toujours en hypertension versus les ISCA. Quel serait notre premier choix pour cette population? C'est une bonne question. J'espère que je vais y répondre adéquatement. Mais moi, j'aurais tendance à dire, voyez les comorbidités du patient, voyez ce qui est recommandé, ce qui est mieux. L'ISCA, peut-être moins, mais les autres molécules, selon les comorbidités, de ce que je sais, mais je ne connais pas tout, il y a pas d'études, je ne connais pas les études spécifiques dans les populations noires avec des maladies spécifiques. Est-ce que les molécules sont aussi efficaces ou pas? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais j'aurais tendance à dire, faites comme tout le monde, juste si on veut un inhibiteur du système rénal angiotensine aldostérone, j'aurais tendance, pour le traitement d'hypertension, d'utiliser préférentiellement un ARA. De plus en plus, je vais parler avec mon chapeau en pharmacie, les prises AM, les prises de soir en hypertension, on fait quoi, avec qui, pour qui, les dippers, non-dippers, donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on parle de chronothérapie ici, c'est un sujet quand même intéressant. En effet, il y a plusieurs choses qu'on peut faire juste au niveau de l'horaire de prescription des médicaments là, pour aider à contrôler l'hypertension des patients puis diminuer leur risque cardiovasculaire et les complications. T'sais, on pense entre autres à l'utilisation de l'aspirine HS qui peut avoir un effet petit mais important puis sans effet secondaire supplémentaire sur la pression. Moi, ce que je recommande souvent, c'est d'utiliser une molécule le soir et le reste le matin. Mais je ne suis pas nécessairement un expert international dans l'hypertension, mais j'aurais tendance à dire les bloqueurs des canaux calciques le soir pour diminuer les effets secondaires d'édème, entre autres, le reste le matin. Puis essayer, bien sûr, d'utiliser des molécules à longue action le plus possible pour couvrir le 24 heures. Là. Puis quand là, vous avez mentionné là, les non-dippers, c'est un sujet très intéressant, juste l'évaluation là, puis le traitement des patients qui n'ont pas une diminution significative d'hypertension, de leur pression la nuit. Mais il ne faut pas oublier d'essayer de déterminer pourquoi ces gens-là sont non-dippers. Oui, ça peut être une juste hypertension primaire, mais il faut penser à essayer d'éliminer les pathologies comme l'apnée du sommeil qui peuvent avoir un effet cardiovasculaire majeur. Là, puis chez qui le traitement peut aider à vraiment à contrôler l'hypertension et surtout à améliorer la qualité de vie du patient. Là. Donc, je ne sais pas si ça répond adéquatement à votre question, mais moi c'est la manière que j'approche ça, ça ressemble un peu à ça. Là. Portion, j'essaie de le faire en section, là, mais écoute, ça vient, ça rentre partout. Ça va bien à date. Juste un petit point, là, la portion alimentaire, là, je sais qu'on en a parlé durant la présentation, okay. Pour les gens qui peuvent être curieux, les recommandations canadiennes par la diète portfolio, qui a quand même des belles données intéressantes. À titre d'information, j'ai ouvert la parenthèse, je l'ai fermée. À peau B, à quel moment je me fie sur la peau B versus les LDL, à partir de quand que je regarde plus la peau B, à peau B versus LDL? De ma compréhension, ces molécules, ces marqueurs-là, qui sont des marqueurs secondaires, sont particulièrement efficaces quand les taux de LDL sont non calculables ou difficilement calculables. On parle entre autres des gens qui ont des hypertriglycéridémies importantes. Ils peuvent aussi être utilisés en adjunct de traitement, là, de cible de traitement. Quand on a une difficulté à atteindre le LDL, on peut essayer de regarder le LDL cible, on peut essayer de regarder l'APOB, le non-HDL aussi pour orienter l'intensification du traitement. Mais j'aimerais juste aussi re-mentionner, je l'ai dit dans la conférence, je pense, là, que le non-HDL est probablement équivalent ou aussi bon à utiliser comme deuxième marqueur que la peau B, puis est plus facilement accessible et moins dispendieux.
Mais honnêtement, la première chose à regarder, c'est vraiment le LDL. C'est sur quoi je pense qu'on a les meilleures données. Puis les autres outils sont vraiment des outils secondaires là, que j'utilise beaucoup moins en clinique. Mais je peux me tromper. Mais. Une autre petite question, on a parlé de l'ézétimibe puis ces données en prévention secondaire, sa place notamment pour les... en tout cas, sa place en prévention primaire, on le donne quand même? Est-ce qu'on le maintient juste pour les patients intolérants aux statines? Donc, son positionnement en prévention primaire. Ben, bon, pour commencer... De ma connaissance, les étimibles, les seules données de qualité que je connais, c'est celles en prévention secondaire. Je peux me tromper, je ne connais pas tout de la littérature par cœur. Mais étant donné que les données de les étimibles étaient surtout fortes en prévention secondaire chez les patients à haut risque, est-ce qu'il y a un avantage en prévention primaire? Là, j'imagine qu'on parle de chez les patients qu'on n'arrive pas à atteindre les cibles avec la statine seule. C'est une bonne question. Je ne serai pas en mesure de vous répondre, mais comme je traite surtout des patients en prévention secondaire, je vous dirais peut-être que surtout pour éviter de multiplier la pharmacopée des patients de manière indue et de multiplier les coûts aussi, il y aurait peut-être plus du travail à faire sur la dose maximale de statine, la dose maximale tolérée de statine. Et la majorité des patients arrivent à être à cible avec ce genre de molécules-là. Si ce n'est pas le cas, il faut considérer est-ce qu'il y a d'autres causes qui contribuent à la dyslipidémie, d'autres pathologies endocriniennes ou autres qui peuvent contribuer à la dyslipidémie, ou est-ce qu'on a devant nous une problème de lipémie, hyperlipidémie familiale? Mais c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. Super. J'ai peut-être encore le temps d'en prendre une ou deux. Il y en a plusieurs. En passant, il y a plein de commentaires positifs, mais ça, ce n'est pas les questions. Des LDL inférieurs à 1,3, qu'est-ce qu'on fait? On maintient la statine, on la retire, on diminue la dose. Là, j'imagine qu'on parle de prévention secondaire, je prends pour acquis, vu que c'est ça le sujet de la présentation. Pour acquis, effectivement. Moi? Oui, effectivement. Il n'y a pas de données. OK? Ça fait qu'il pourrait être, ça pourrait être un argument de dire, c'est bon, je vais commencer par dire, s'il y a de l'ézétrol, on peut l'enlever. OK? Ça, j'ai aucun problème avec ça. Si on prend des considérations pharmaco-économiques, de polypharmacie, de facilité pour le patient. Pour ce qui est de la statine, personnellement, étant donné que dans prévention secondaire, comment j'interprète les recommandations puis comment je pense que les recommandations se présentent, c'est dose maximale de statine tolérée. Peu importe le niveau de LDL. Donc, si j'ai une prévention secondaire puis un LDL en dessous de 1,3 à statine, dose maximale tolérée, bien tolérée, pas d'anomalie, pas de problème, pas de plainte du patient, je ne toucherai pas à la molécule, je la garderai à la dose qu'elle est. Si le patient commence à être inquiet, effet secondaire, il va lire les études là, qui demandent peut-être des effets sur la mémoire, etc., sur les statines, et qui préfère diminuer la molécule, je préfère de loin diminuer la molécule que de briser le rapport thérapeutique puis qu'il l'arrête complètement. Mais, puis c'est le patient qui décide finalement, c'est ce qui rentre dans son corps, puis c'est ses risques à lui. Mais dans une circonstance où tout va bien, c'est le calme plat, les LDL sont en-dessus de 1,3, je garde la molécule, j'en parle même pas. Là. OK. Toujours dans Excusez-moi, il y a des études de petits groupes sur des patients avec maladies génétiques, anomalies génétiques, ce ne sont pas des maladies, là, qui ont des knockdowns de PCSK9, puis qui ont des LDL infinitésimalement bas toute leur vie. Puis il y a eu des études qui ont été faites pour regarder est-ce qu'ils ont des complications. Il n'y en a pas de complications, on dirait. Les gens ont une espérance de vie, si pas normale, supérieure à la normale, parce qu'ils n'ont pas de maladie cardiovasculaire et ils n'ont aucun handicap, de ce que j'en connais. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude par rapport au taux de LDL lors d'une utilisation de statine. Si les patients sont complètement asymptomatiques. Dernière petite question, puis après ça, je vais laisser la parole à Dr. Vallée. J'ai une question ici, toujours en dyslipidémie, donc pour terminer notre troisième bloc. Donc, pour les patients qui vont avoir eu une intolérance à une ou deux molécules qu'on utilise plus fréquemment, donc la torvastatine puis le rosuvastatin, on les passe à la pravastatine pour des raisons d'intolérance. Est-ce qu'on a des résultats semblables en termes de
excuse-moi, le outcome là, de, ouais, de résultats en termes de MACE ou en termes de, d'autres valeurs cardiovasculaires? Je vais être très honnête avec vous. Ces études-là ont toutes été faites avant que je sois en médecine. Mais je pense que oui. Sinon, je ne serais pas recommandé. Mais de par leur effet inférieur au niveau, ouais, tu sais, je veux dire, comparé aux statines, aux doses, là, l'atorvastatin, le rosuvastatin, leur effet est inférieur sur l'impact des LDL. Donc, comme la diminution des événements cardiovasculaires majeurs est directement reliée à la diminution des LDL, c'est sûr, je m'attends à ce que les résultats d'une étude qui aurait été faite ou qui ne serait pas faite, si étaient comparés head-to-head, sont inférieurs. Mais je pense qu'elles seraient toujours présentes. Puis je pense que, comme je disais, qu'une petite dose de fluvastatin une fois par deux jours, c'est beaucoup mieux qu'avoir aucune statine. Clairement. Donc, go for it, comme on dit en bon français. Tu sais, oui, Lipitor en premier ou rosuvastatin en premier. S'il y a un échec, on va au rosuvastatin à cause qu'elle cause peut-être moins de symptômes à cause qu'elle est moins lipophile. Après ça, on peut des fois aller au fluvastatin qui avait juste dans l'étude moins d'impact musculaire. C'est une autre option que j'utilise après. Mais c'est sûr qu'après avoir utilisé, mettons, ces trois molécules, souvent, de toute façon, rendu là, le patient, il voudra peut-être plus les essayer, là, des statines. Je pense que qu'après un échec à petite dose, une journée sur deux, de trois molécules, on peut dire que le test a été fait adéquatement, puis on peut essayer de passer à autre chose.